Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de la semaine du 29 août au 4 septembre. Je vais vous donner ici les messages que je reçois pour vous aider à y voir un peu plus clair sur cette semaine qui vient. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, je ne le dis pas très très souvent. J'y suis présente presque tous les jours. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Et puis vous pouvez aussi regarder d'autres vidéos sur la chaîne. Comme ça va pouvoir en fait vous aider à avoir un peu plus d'informations sur la semaine. Allez, on y va, les lions. Quels sont les messages importants pour cette semaine? Que va-t-il se passer pour vous, les lions, pour la semaine du 29 août au 4 septembre? Allez, début de semaine, on a la roue de fortune. Milieu de semaine, on a la papesse. Et fin de semaine, on a la lame tempérance. Alors, ça ne sera pas une semaine très active comme vous pouvez le voir. Ça sera plutôt une semaine de réflexion, une semaine aussi de clairvoyance, d'analyse. Ce qui va vous permettre vraiment d'avoir tous les éléments pour pouvoir en fait passer à l'action par la suite. Avec la roue de fortune, on a ici quand même... alors, ça peut parler de blocage, mais ça peut aussi parler fin de cycle en vue d'un nouveau cycle. Il y a en fait des opportunités à saisir. Mais pour cela, il faudra tourner la roue en votre faveur. Donc, il va falloir soit provoquer les événements, soit il va falloir vraiment être très clairvoyant, ouvrir votre champ de vision pour pouvoir justement saisir toutes ces opportunités qui sont bien présentes mais que parfois on ne voit pas forcément. C'est aussi une période de chance qui va vous permettre vraiment de retrouver confiance en vous, et c'est aussi une période de changement positif qui se profile pour vous. Allez, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a en plus? Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a une très belle carte. On a le 10 de Pentacle avec la roue de fortune. Donc, c'est bien une période de changement positif. Ça parle d'abondance, de prospérité, que ce soit dans le domaine familial, sentimental ou professionnel. Il y a des personnes autour de vous de confiance sur lesquelles vous pouvez compter. Ça peut même parler de réunions. Pendant cette semaine, il y aura des réunions très positives. Vous serez très entouré de personnes qui vont vraiment vous aider, vous soutenir dans toutes vos actions. Très très beau message ici. Ça peut aussi parler d'abondance financière. Peut-être que cette semaine, vous réfléchissez justement à vos finances, à comment améliorer vos finances. Ça peut parler de cela. Alors, la papesse en ce milieu de semaine, ça parle vraiment d'écouter son intuition, en tout cas de l'écouter davantage, de faire attention à ne pas être trop guidé par ses peurs, ce qui pourrait vous empêcher de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Sachez aussi que vous avez les connaissances, que vous avez les informations que vous cherchez ailleurs. C'est pour cela qu'il faut absolument travailler sur votre confiance en vous. Parce que vous avez les informations. Même si vous les cherchez ailleurs, vous les avez. Et puis ça peut parler aussi de faire des recherches, de s'informer pendant ce milieu de semaine. Alors ça peut parler de suivre une petite formation brève pendant cette semaine. Ce qui va vraiment vous permettre en fait de retrouver confiance en vous et puis d'avoir aussi un savoir supplémentaire. Ça, c'est pas négligeable pour votre estime de soi, mais aussi pour votre carrière professionnelle. Parce que ça peut être lié au travail, mais pas que. Ça peut être une formation, je sais pas, une formation de réorganisation, une formation sur la phytothérapie. Voilà, ça peut être quelque chose de personnel.
Et vous pourriez faire appel à une personne clairvoyante, une personne intuitive qui va vraiment vous aider à y voir un peu plus clair sur, voilà, sur le monde qui vous entoure. Tout cas, vous serez en quête d'informations, hein, pendant cette semaine. Bon, ben voilà, on a la majeure, donc le message est très très important, c'est le battleur, c'est le magicien. Vous pouvez vous dire que la vie est magique. Ce qui vous attend, c'est vraiment positif, c'est un nouveau départ, un renouveau, sur de nouvelles bases. Et puis, si cette semaine vous vous renseignez justement pour créer votre propre activité, sachez que vous allez trouver les informations nécessaires pour vous lancer. Ça peut parler de cela, oui, parce que certains d'entre vous ont besoin de créer leur activité. Ça peut être aussi une activité manuelle, parce que certains d'entre vous ont besoin en fait de travailler avec ses mains. Donc ça peut parler de cela. Pour cette fin de semaine, on a la carte tempérance. La carte tempérance qui vous dit de tempérer vos émotions, de gérer la situation. Pendant ce week-end, vous allez vous ressourcer, vous allez vous reposer et vous allez vous rapprocher, pour certains d'entre vous, de la nature. Donc vous allez peut-être prendre quelques jours de vacances pendant cette fin de semaine. Ça va vous faire énormément de bien. Ça va vous permettre de vous poser. Ça va vous permettre aussi de calmer votre stress et puis de retrouver une harmonie intérieure. Parce que vous avez besoin de plus de sérénité également et de quiétude. Parce que vous avez tendance à cogiter, en tout cas pendant cette semaine, à réfléchir, à observer, ça peut être fatigant. Allez, qu'est-ce qu'on a? Et puis, ça peut être un week-end de compromis également. C'est mieux une carte, hein. Et puis on a une magnifique carte là aussi, c'est l'As d'épée. Donc vous allez en fait, grâce en fait à cette pause, vous allez retrouver en fait cette lumière, cette force qui va vous permettre, eh bien, de prendre des décisions, de trancher des situations et d'avancer. Ça va aussi vous permettre d'avoir l'information que vous cherchez. J'ai le sentiment que l'univers va vous y aider. Va vous permettre en fait d'avoir l'information qui va justement, eh bien, éclairer votre situation. Ça va vous permettre vraiment là d'avoir tous les éléments pour pouvoir eh bien, démarrer une nouvelle action, un nouveau projet, quel que soit le domaine de vie. Allez, qu'est-ce qu'on a? Non, on va plutôt prendre ce tarot, hein, pour les messages de l'univers. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message pour la semaine du 29 au 4 septembre? Pour les lions. Allez, on a la carte bien s'entourer. C'est un excellent message de l'univers pendant cette semaine. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, vous allez probablement, pour certains d'entre vous, faire appel à une personne clairvoyante, une personne qui va vous aider à trouver l'information qui vous manque. Je vous lis le message. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Donc, ça peut parler de spiritualité. Effectivement, avec la papesse, on a l'intuition, la spiritualité qui est souvent liée à cette carte. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. C'est vrai que ça aide. Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Effectivement, là, moi, j'ai quand même de nouvelles idées qui arrivent. Très beau message ici. Et quel est l'autre message? On a guérisseur de l'émotion. Justement, avec la lame tempérance, ça peut parler de guérison pendant ce week-end, c'est-à-dire de vous occuper davantage de vous-même, de votre bien-être. Et c'est aussi confirmé ici par l'univers.
Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Voilà, donc ça rejoint un peu ce que je vous ai dit, d'être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute de votre âme, de vous recentrer, de vous reposer avec la lame tempérance, de retrouver cette sérénité dont vous avez besoin et qui va vraiment vous aider en plus à y voir beaucoup plus clair sur ce qui ne va pas et à voir en fait les modifications à faire pour pouvoir évoluer, progresser. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Ça peut être la raison également. Fiez-vous à votre intuition, je vous l'ai déjà dit, hein, donc ça confirme bien qu'il faut le faire pendant cette semaine, plus particulièrement, qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Exactement, ça confirme ce que je vous ai dit à l'instant. Une personne peut être vous, gentille, au grand cœur, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Ça peut être cette personne digne de confiance qui va vraiment vous aider pendant cette semaine. Et le fait en fait de vraiment d'écouter son intuition, de vous ressourcer, de vous recentrer, va vous permettre eh bien, d'entamer ici un nouveau départ. Un nouveau départ qui va vous procurer, en tout cas qui va vous permettre eh bien, de grandir spirituellement, mais aussi de progresser, d'évoluer, de vous accomplir dans tout ce que vous faites, de retrouver la joie, le bonheur, de retrouver aussi un certain optimisme, un certain enthousiasme à faire les choses. Voilà, donc on a de très beaux messages ici pour cette semaine pour vous, les lions. Donc j'espère que ça va vous aider. Merci de votre écoute, de votre confiance également. N'hésitez pas à consulter mes services, donc les lectures intuitives et intemporelles, les grandes extensions de 2023, les formations pour apprendre le tarot si ça vous intéresse. Et également, si vous avez des questions personnalisées, bah, je peux vous aider, vous pouvez me consulter en privé, vous avez le lien de tout ceci, de mon site, de mes services, juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous, ciao ciao!